préfecture. Bonjour. Criou. Aujourd'hui, je vous présente un tombe de Franck Tillier. Alors, donc, qui ne connaît pas Franck, mon chouchou, que j'ai aperçu l'autre jour. Oh, putain, en vrai. Et donc, Franck, il a écrit Atomka. Donc, atome, voilà, voilà. On se doute bien que c'est sur l'atome. Alors, c'est hyper, hyper, hyper scientifique. Je pense qu'il a fait des recherches de ouf pour écrire ce bouquin en relation avec l'atome et avec donc le nucléaire. Sauf que du coup, il en a oublié les personnages un petit peu. Charcot, où sont tes couilles? Charcot, le requin, à l'origine, c'était ça, hein, dans le premier bouquin, si je me souviens bien. C'était un mec et tout, vas-y, brave et tout. Là, mais putain, la lopette, quoi. Ça fait mal au derrière, hein. Moi, je suis hyper déçue. Le personnage de Charcot, il n'a plus rien à voir avec celui qu'on connaissait avant. Donc, désolée, bonne intrigue, bonne recherche, mais... et encore, des fois, l'intrigue un peu longue. 7. Petits internautes, à bientôt! Je suis désolée, hein. Franck, si tu me regardes, enfin, si vous me regardez, je suis vraiment désolée.